Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. C'est un jour qui restera gravé dans la mémoire du peuple britannique. Ce lundi 19 septembre se déroulaient les obsèques de la reine Elizabeth II. Une occasion pour les membres de la monarchie, ainsi que certaines personnalités politiques, de se réunir afin de rendre un dernier hommage à celle qui avait récemment fêté son jubilé de platine. Durant la cérémonie, les tenues des princes George et de la princesse Charlotte ont marqué celle du futur héritier en raison de sa couleur et celle de sa sœur en raison de ce discret hommage à la défunte reine. L'émotion de Meghan Markle et Kate Middleton a aussi attiré l'œil du public. Les belles sœurs sont effectivement rentrées ensemble au sein de l'abbaye de Westminster vêtues d'une tenue similaire. De leur côté, le prince Harry et le prince Andrew n'étaient pas vêtus d'une tenue militaire comme les autres membres de leur famille. Ils ont également été les seuls membres de la famille royale à ne pas faire le traditionnel salut devant le cercueil de la reine Elizabeth II. Est-ce une entorse au protocole? Explication. Ce sont des images saisissantes. À l'entrée et à la sortie de l'abbaye, le prince William, le roi Charles III, la princesse Anne et le prince Édouard ont effectué un salut royal face au cercueil de la reine Elizabeth II. Signe de respect à un grade supérieur. Positionnés à leur côté, les princes Harry et Andrew sont restés stoïques, les bras le long de leur corps. Un fait qui s'explique puisque tous les deux ne possèdent plus de fonction au sein de la famille royale britannique. D'après Hello, tous deux n'ont plus les mêmes privilèges que les autres membres de la souveraineté. L'instant, immortalisé par le biais de photos et vidéos, promet de marquer l'histoire de la monarchie britannique.